الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أو vous les croyants الله سبحانه وتعالى a envoyé son prophète صلى الله عليه وسلم au monde il en fit une miséricorde un enseignant et quelqu'un qui vient avec la facilité. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, ô vous les gens, je n'ai été envoyé que comme miséricorde offerte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour guider les gens, les orienter vers le bien, et les faire dévier du mal. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a guidé par lui beaucoup d'hommes et de femmes. Il les a guidés, sallallahu alayhi wa sallam, à la religion d'Allah, la religion du juste milieu, qui met en garde contre toute forme d'exagération ou de laxisme. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset, dit, voici ma voix, j'y invite les gens avec clairvoyance. Exempt soit Allah. J'y invite les gens avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, exemptés soit Allah, et je ne fais pas partie du nombre des polythéistes. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a guidé beaucoup de gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset, et certes, tu guides vers un chemin droit. Et parmi le chemin droit vers lequel on a été guidé, le fait de se parer des meilleurs comportements, ceux qui convaincront les autres du caractère véritable de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui réunit tout le bien dans le sens rapproché du verset. Certes, Allah vous ordonne l'équité, la bienfaisance, de donner aux proches et il vous interdit la turpitude, le mal et l'injustice, il vous exhorte, ainsi vous rappellerez. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de respecter nos engagements, de se montrer loyal et fidèle devant nos engagements. Dans le sens rapproché du verset, et soyez fidèles à vos engagements lorsque vous vous engagez. Ainsi, il a transmis sa religion aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette communauté a été décrite par Allah comme la communauté du juste milieu. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, et ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, une communauté à la religion complète et parachevée, qui n'accepte ni diminution, ni ajout, ni changement, ni rien d'autre que cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et agréé pour vous l'islam comme religion. C'est ainsi que cette religion a été comprise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont mise en pratique de la manière la plus exemplaire, si bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert les cœurs des enfants d'Adam. Ils entrèrent donc dans l'islam auquel ils ont adhéré. L'islam s'est répandu et la justice a régné sur terre jusqu'à une époque où a poussé une mauvaise herbe dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sont apparus des gens qui prétendent s'affilier à l'islam et agir en son nom alors que l'islam en est innocent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de façon très forte contre eux. Ils sont appelés al-khawarij. Ce sont des innovateurs, des gens hérétiques qui ont innové dans la manière d'agir et qui ont prétendu au nom de l'islam faire des actes qui n'ont pas été légiférés ni par Allah ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ils l'ont abandonné. Ils se sont mis à inciter les fidèles à se révolter contre lui et à se rebeller contre lui. Ils ont commencé par le dénigrer, puis l'insulter jusqu'à se rapprocher de lui et le tuer et l'assassiner dans sa maison, radiyallahu anhu. Quelque temps après, ils se sont mis à tuer Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a décrits dans de très nombreux récits authentiques, prophétiques. À titre d'exemple, il nous dit « Viendra un peuple de ma communauté qui réciteront le Coran. Votre lecture du Coran ne ressemblera en rien à la leur. Votre prière ne sera pas égale à la leur. Votre jeûne n'aura rien à voir au leur. » C'est-à-dire qu'ils seront dévoués à Allah par la lecture du Coran, par le jeûne, par beaucoup de bonnes actions, mais Allah ne les acceptera pas car ils sont hérétiques et ont innové dans la manière de pratiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils réciteront le Coran en pensant qu'il jouera en leur faveur. Le Coran sera un argument contre eux. Leurs prières ne dépassent pas leur clavicule. Ils sortiront de l'islam comme la flèche est sortie de la proie du gibier après l'avoir transpercée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, viendra à la fin des temps un peuple de jeunes sots, stupides et qui sont jeunes. Ils prononceront les paroles de la meilleure des créatures, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de la proie après l'avoir transpercée. La foi qu'ils ont ne dépassera pas leur gosier, leur gorge. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les khawarij sont les chiens de l'enfer. Il les a décrits ainsi et a sensibilisé sa communauté sur leur mal, car ils auront énormément de mal. Et à toute époque, ils apparaîtront, sèmeront le trouble, la corruption et les désordres sur terre, au nom de la justice, de l'ordre. Wal-iyadu billah. Il est donc obligatoire à chaque musulman de s'instruire dans sa religion. Et certes, vous avez entendu ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a 8 jours de cela, dans la capitale de ce pays, Paris, et la ville de Saint-Denis, des actes horribles qui ont été commis par des personnes s'affiliant à l'islam et qui en réalité n'appliquent pas ces règles et ne se conforment pas aux enseignements du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entrés dans des endroits où ils ont exécuté des gens qui n'ont rien demandé, qui ne les ont pas combattus, qui n'ont pas levé contre l'arme. Ceci est formellement interdit et gravissime dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces jeunes qui ont agi ainsi ont été leurrés, dupés, trompés, amadoués par ces gens qui prétendent que par ces actes ils entreront au paradis. Il est formellement interdit par Allah, tabaraka wa ta'ala, de faire ce que ces gens ont fait. Ces gens ont suivi la secte des Khawarij, qui sont les chiens de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens vont pousser les autres à détester l'islam. Ces gens vont être la cause des répercussions que vont subir leurs frères et leurs sœurs dans les moyens de transport, dans les métros, dans les bus. Et on commence déjà à le voir. À cause de qui ? À cause de ces gens qui prétendent œuvrer pour secourir la religion d'Allah. Comment est-ce que les jeunes peuvent être trompés par ces gens ? La réponse dans ce qui suit. Voici quelques moyens que nous allons citer à vous les jeunes particulièrement. On vous demande donc de prêter attention et de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Voici quelques moyens utilisés par ces gens-là pour vous tromper et vous faire croire que vous êtes dans le droit chemin. Le premier de ces moyens, ce n'est autre que le fait de discréditer à leurs yeux les grands savants de la sunna. Ils commencent par les discréditer en disant « ce sont les savants du palais, ce sont les savants de la chaise, les savants qui aiment l'argent, les savants de ce bas monde, ils sont avec les traîtres » et j'en passe. Tout un tas de mots, de vocabulaire qui est utilisé et qui a pour objectif de faire que les jeunes ne reviennent plus aux savants de l'islam, vers lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de revenir. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si toutefois vous ne savez pas. Et après, ils mettront à leur place des têtes. Ils prétendront qu'ils sont connaisseurs, savants, aptes à émettre des avis religieux. Et ces derniers vont justement inciter les jeunes à commettre ce genre d'actes qui sont totalement désapprouvés par Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'enlève pas la science en l'arrachant de la poitrine des gens, mais il enlève la science en donnant la mort aux savants.
Au moment où il ne restera plus un savant, les gens prendront à leur tête des ignorants. Ils les interrogeront. Ces ignorants émettront des réponses sans science. Ils s'égareront et égareront les autres. Deuxièmement, il cite à tous ces jeunes, tous ces pauvres jeunes ignorants, des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont ambigus et dont les sens ne sont connus que par les personnes qui justement étudient, ce qui n'est pas le cas de ces jeunes faibles. Que va-t-il se passer? Ils vont dire, regarde, Allah a dit, le prophète a dit, tu vois bien que c'est en concordance avec ce que l'on fait. Tu vois bien que c'est en concordance avec ce que l'on fait. Mais comme en premier, on a discrédité les savants, ces jeunes ne vont plus regarder ce que les savants disent comme explication de versets. Et ils vont suivre des explications fausses, erronées. Ils s'égareront et égareront les autres. Troisièmement, ils tirent ces jeunes avec les sentiments. Car ces jeunes veulent se repentir à Allah pour beaucoup d'entre eux. Ils ont l'air sincères, mais ils sont trompés avec leurs sentiments. Ne t'inquiète pas, Allah va te pardonner. Regarde ce qui est fait comme atrocité. Regarde les atrocités dont sont victimes bon nombre de musulmans. Et j'en passe. Ensuite, ils leur montrent des vidéos qui sont le poison d'Internet, devant lesquelles beaucoup de jeunes perdent leur temps. Ils n'étudient ni la langue arabe, ni le Coran, ni le Hadith, ni ils lisent les avis émis par les paroles des savants auxquels ils n'accordent aucun crédit. Résultat, ils se font éduquer par Internet. Et excusez-moi du terme, ils avalent les poubelles d'Internet. Ils lisent les Twitter, les Facebook, les YouTube, et j'en passe, les Telegram, et d'autres choses encore, où on y ajoute des anachides, des chants rythmés qui attirent le cœur et qui attirent le sentiment, où on appelle à faire pitié. Regarde la pauvre femme, regarde le pauvre enfant, regarde, regarde, regarde. Et par la suite, on va justifier ces choses. Par la suite, on va justifier ces crimes. Par la suite, on va justifier ces meurtres qu'Allah a interdits. Par ces choses, on va justifier le fait que ces jeunes se fassent exploser. Qabbahahumullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlaidisse les gens qui les ont incités à commettre ces actes. Wal'iyadu billah. Également, ils leur disent, voici le moyen de te faire pardonner par Allah. Voici le moyen d'entrer au paradis et de voir tes péchés pardonnés. Et tu vois ce pauvre jeune qui dans le quartier fumait. Il fumait la drogue, il buvait l'alcool, il vendait, il volait. Il s'adonnait à des choses qui sont mauvaises. Il vient, il veut se repentir. Il tombe dans les mains de gens égarés qui lui disent, Allah va t'accepter, ne t'inquiète pas. Va, porte cette ceinture, va là-bas, tue ces injustes, tue ces, et j'en passe. Il donne des qualificatifs les uns après les autres. Et tu vois ce petit jeune qui n'a jamais rien connu de la religion, qui n'a jamais appris le Coran. Il ne sait peut-être même pas réciter Surat al-Fatiha. Il ne sait même pas peut-être faire ses ablutions correctement. Peut-être que sa prière est invalide, car il est impur. Et tu le vois dire, Ibn Baz est un mécréant, Al-Uthaymin est un mécréant, Al-Fawzan est un mécréant. Et il commence à déverser ses paroles sur les savants de la Sunna. Puis il continue et il commence à faire ce qu'ils font comme acte horrible. Plus loin, ils vont même sauter la vie. Wal'iyadu billah. Ils vont sauter la vie. Ceci est interdit par Allah. Réveillez-vous, vous les jeunes. Ne soyez pas trompés. Il est vraiment déplorable et lamentable. Et c'est vraiment triste et ça fait mal au cœur par Allah subhanahu wa ta'ala de voir des jeunes se faire avoir au nom de l'islam, au nom du Coran, au nom de la Sunna, de voir ces jeunes croire qu'ils suivent le Coran, qu'ils suivent la Sunna en tuant des innocents, en se tuant eux-mêmes. Ils laissent leurs parents, ils délaissent leur mère et leur père, ils font pleurer leur père, ils font pleurer leur mère, et ils vont dans des pays en pensant que c'est la seule terre de l'islam. Et que tous les pays musulmans sont des terres de mécréance et d'ennemis d'Allah, et j'en passe. Et tu vois cette mère effondrée, et ce père effondré au sol, qui perd 18 kilos, 20 kilos, car son fils l'a quitté. Et lui, il quitte son père et sa mère, et il croit qu'il va avoir la satisfaction d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il regarde tous ces gens, et dit, vous êtes tous ignorants, c'est moi qui ai compris l'islam. Il regarde tous les savants et dit, ils sont tous ignorants, c'est moi qui ai compris l'islam. J'ai tout compris, tu n'as rien compris par Allah. Tu n'as rien compris par Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu vois que ces jeunes-là passent presque toute leur journée, toute leur nuit, YouTube,
Facebook, Twitter, Telegram, ils avalent le poison goutte par goutte. Le poison à quoi il conduit? Il conduit à la mort. Il conduit à la mort, il t'égare du chemin d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il dit, mon père est égaré, ma mère ne sait pas lire, mon père ne sait pas lire. Ils disent n'importe quoi, ils se sont fait avoir. C'est toi qui t'es fait avoir. C'est toi qui t'es fait avoir. Tu n'as rien appris de ta religion, de la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Également, ces égarés viennent se montrer à ces jeunes ignorants avec le bon comportement. Masha'Allah, le frère a un bon comportement. Masha'Allah, ils sont pieux. Regarde, ils parlent au nom d'Allah. Ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, on n'en a rien à faire. Parce qu'à partir du moment où ils désobéissent à Allah, où ils désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent avoir le meilleur comportement qu'ils veulent. Mais si c'est en contradiction avec les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on les déteste, on s'en désavoue, et on met en garde contre ces gens, en les décrivant, ceci dans le but de préserver la communauté musulmane, qui en réalité est la première victime de ces gens-là. Qu'est-ce que ces jeunes vont gagner, si ce n'est les répercussions que vont subir leurs frères dans le bus, dans le métro? Qu'est-ce que ces jeunes vont gagner, si ce n'est le fait de déformer le visage de l'islam? Subhanallah. Est-ce que c'est comme ça qu'Allah, est-ce que c'est comme ça que les gens vont venir à l'islam? Est-ce que c'est comme ça que ton voisin va t'aimer? Est-ce que c'est comme ça que les gens vont dire que ta religion est une religion de justice? Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Restez avec vos parents chez vous. Apprenez votre religion, apprenez le Coran, apprenez la Sunna. Ne consultez pas ces sites internet. Ne consultez pas ces Twitter, ne consultez pas ces Facebook, ne consultez pas ces poisons. Et vous les parents, ne laissez pas vos enfants perdre du temps devant ce poison. Ensuite, vous viendrez pleurer parce que vos enfants se sont égarés, parce que vos enfants se sont éloignés de la religion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces gens-là. Et ces gens-là vous disent, ne croyez pas à tout ce que vous entendez dans les médias. Venez, venez, rejoignez-nous dans notre terre d'islam, masha'Allah, la seule terre d'islam au monde. Et tous les autres, ils ne sont pas musulmans, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne disent pas la ilaha illallah. Non, ce sont des apostats. Nous autres, nous sommes les croyants, venez nous rejoindre. Venez voir et vous allez voir, la justice règne, on vit bien, vous allez avoir à manger. Wallahi par Allah, on a même vu des tweets dans lesquels ils encouragent les jeunes en leur disant, venez, vous aurez un impôt, on va vous marier, on va vous loger, on va vous donner de l'argent, vous allez vivre dans la justice. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir et ne vous faites pas duper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entend l'arrivée du faux messie, qu'il s'en écarte autant que possible. Car l'homme viendra devant le faux messie, l'antéchrist, le messie ad-dajjal, qui viendra à la fin des temps. Il viendra devant le faux messie en pensant de lui qu'il est croyant. Il se dit, je suis croyant fort, je comprends ma religion, je suis à l'abri des ambiguïtés. Il s'approchera de lui. Il ne cessera de rester à ses côtés jusqu'à être ébloui par ses ambiguïtés. Il le suivra alors. Regardez ce que disent les savants de la Sunna pour expliquer ce récit. L'imam Ibn Battah, rahimahullah, un grand imam, a dit, ceci est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, digne d'être juré, d'être jugé par la véracité. Craignez donc Allah, craignez donc Allah, ô vous autres les musulmans, que l'un d'entre vous ne soit jamais poussé par la bonne opinion qu'il se fait de sa personne en se disant, je connais ma religion, jusqu'à aller mettre en danger sa religion. Restez avec ces gens-là, les écoutez, car nous avons vu des gens qui ont dit, je vais simplement écouter ce qu'ils disent, je vais simplement lire pour les comprendre. Quel fut le résultat? Ils sont devenus comme eux, alors qu'avant ils les maudissaient et disaient qu'ils étaient mauvais. Et par Allah, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Ils disent, personne ne peut me convaincre. Ils ne peuvent pas me convaincre. Tu lui dis, pourquoi tu entres dans ces sites internet? Il te dit, je vais simplement voir, je vais simplement regarder. Il désobéit au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se met à écouter un audio, un deuxième audio. Il regarde une vidéo, une deuxième vidéo. Et il se rend pas compte qu'il est en train de se faire avaler comme la soif et boit de l'eau. Et après, plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tous ces gens-là sont des traîtres. La plupart des musulmans sont apostats. La véritable religion est dans le fait de rejoindre ces gens-là.
craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants de la sunna, vous devez lire leurs écrits, vous cramponnez aux avis juridiques qu'ils émettent, car dans cela, il y a l'issue aux troubles que la communauté aujourd'hui vit. Et cette communauté ne vit tous ces troubles qu'à cause du délaissement des savants de la sunna. Apprenez à connaître qui sont-ils. Lisez les paroles des savants de la sunna. Le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a été interrogé, de même que tous les autres, au sujet de ces opérations dans lesquelles l'individu porte une ceinture et se fait sauter, wal'iyadu billah. Ils disent, celui qui agit ainsi n'est pas au paradis, il est dans le feu, car il a désobéi Allah. Et Allah a dit dans le Coran, wa la taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Et ne tuez pas vos personnes. Allah est miséricordieux envers vous. Allah ne t'a pas donné la vie pour que tu l'ôtes. Allah ne t'a pas guidé à l'islam pour que tu fasses ce que tu fais. Wallahi, ceci fait très mal au cœur de voir le malheur qui a atteint les musulmans. Et c'est à cause du délaissement de la religion, du délaissement de l'apprentissage et du suivi des innovateurs qui contredisent le Coran et la Sunna. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana. اللهم رد الشباب المساكين إلى دينك ردا جميلا اللهم أصلحهم اللهم فقههم في الدين اللهم لا تحرمهم فهم الدين اللهم وفقهم أن يعودوا إلى كتابك وسنة رسولك اللهم اكفنا شر المبتدعة اللهم اكفنا شر الخوارج اللهم أبعد عن الأمة الخوارج اللهم أهلكهم وأبعدهم عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم من ضل من المسلمين فرده إلى الإسلام فرده إلى السنة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح قلوبنا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ شبابنا اللهم علمنا دينك اللهم بصرنا في الدين وبصرنا في سنة رسولك يا ذا الجلال والإكرام والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك